what's left is right. Chasing stars and holding you. Il est beau l'été, hein? Il est beau, hein? Tu manges des barbecues, toi? Ouais, en ce moment. T'as vu la brochette, là? Mais celle-là, elle se mange pas. Ouais, mais elle se mange pas, mais c'est de la bonne. Elle est tendre. C'est une brochette de luxe. Bonjour, les amis, bienvenue sur SLI. Très heureux de vous retrouver ce matin. Salut, les passionnés. Avec mon ami Brice et quelques passionnés qu'on va aller retrouver de ce pas. De ce pas, ouais. Pour discuter automobile et passion automobile. Je rappelle, quand même, Essai Libre, une vidéo tous les dimanches matin, avec son petit bol de café. Hein? Si on n'est pas abonné, on n'hésite pas à le faire, parce que comme c'est tout le dimanche matin, il faut activer la petite cloche pour être au courant des futures vidéos. On a quand même des voitures encore exceptionnelles et plutôt rares, et ouais, notamment une XM Multimédia. Alors là, là dans la rareté... La rareté, ouais, c'est combien, 52? 52 modèles, ouais. Et encore, vu ce qui reste équipé. Vu ce qui reste équipé, en plus. Une voiture qu'on a déjà fait sur SL, mais qui est merveilleuse. Mais voilà. Moi, j'adore cette forme de carrosserie intemporelle. Voilà. Et d'ailleurs, dans la plaque d'immatriculation, c'est aussi marqué SM. Alors là, bravo. Hein. Bravo. Là, bravo hein, pour avoir fait ça. Franchement, ça, c'est balèze. La XM, alors, voiture qu'on voit plus beaucoup sur les routes. Hein. La troisième, bah, c'est quelqu'un qu'on a déjà vu sur Essai Libre. On va aller le voir, c'est Aymeric. Ouais. Une 19 Baccarat, c'est plutôt pas mal. Hein. Une belle phase 2. Bon, alors maintenant, le plus important, les voitures, c'est bien, mais il y a quand même les propriétaires. Et ça, c'est quand même important. Christian, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Enchanté. Merci d'être là, d'être venu partager cette passion automobile pour les Citroën. C'est le moins qu'on puisse dire. Citroën, oui. On va en discuter. Il y a quand même de quoi dire et de quoi faire sur ces voitures. Donc XM et SM avec le fiston. Le fiston qui est là. Le prénom, c'est Maxime. Maxime. Bienvenue, Maxime. Et c'est gentil d'être venu, d'avoir apporté la SM. Ouais. Ça va faire plaisir. Ça fait plaisir à la caméra déjà, elle aime bien voir des choses comme ça. Bon. Aymeric ! Bonjour Ludo ! Ah, Aymeric, Aymeric, ça fait... Alors, on t'avait déjà vu sur Essai Libre, t'étais venu avec une Golf R32. Yes. Je vous invite d'ailleurs à aller revoir cette vidéo Golf R32, parce que ça reste une voiture... Mythique. Bah, mythique, assez exceptionnelle quand même, très très rare. Je sais pas combien il y avait de modèles d'ailleurs. Pour la DSG, il y en avait eu que 300. Ouais. Il y en avait eu que 300 en France, après pour la version normale. Et puis ce qui reste aujourd'hui, toi tu l'avais chopé ça, en dessous. Ce qui reste aujourd'hui, mais ça serait intéressant de rechercher. Mais effectivement, vu le peu de nombre de Golf que je vois sur la route en R32. Ah bah en R32, c'est extrêmement rare. Donc, c'est clair. Et bah, merci d'être revenu aujourd'hui pour la 19 Baccarat, qui s'est vendue aussi bien en Allemagne aussi. Toi qui aimes les voitures allemandes, du coup. C'est un peu pour ça, je t'expliquerai pourquoi ça, la 19 m'a tapé dans l'œil. Et effectivement, après quelques recherches, la 19 Baccarat, a priori, moins de 2000 exemplaires. Ah ouais. Donc voilà. Donc ce matin, on a un peu des voitures extrêmement rares aujourd'hui. XM Multimédia, les belles années fin 90. Est-ce que tu peux nous expliquer, alors, pourquoi tu as une XM Multimédia, du coup? Pourquoi celle-là? Pourquoi celle-là? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Bon, déjà, j'ai quelques XM. Ouais. Bon, on roule tous les jours en XM dans la famille. Ah bon, que ce soit ma femme, mon fils, ici présent, et puis moi-même. Ouais. Donc, bon, la XM Multimédia, c'est un peu le Graal côté XM, bien sûr. Ouais. 51 exemplaires de fabriqués, donc c'est quand même relativement très rare. Fabriqué pour la Coupe du Monde 98. Bon, les gens connaissent un peu l'histoire. Le projet a quand même commencé en 97, projet Torrent. C'était le nom du projet, Torrent? Oui, ouais. C'était le projet Torrent, effectivement. Les voitures sont enregistrées comme ça, d'ailleurs, dans les bas systèmes donc PSA. Torrent à l'usine. Voilà, là, voilà. Torrent. Attends, parce que... Ouais, tu vois, là, on voit le rouge avec le toit noir. Voilà. Et ça, il n'y en a qu'une comme ça. Il n'y en a eu qu'une, oui. Une seule. C'était quand elle était à l'usine de Rennes. Et d'ailleurs, je crois qu'on voit des multimédias à côté. Donc, elle a été prise effectivement en photo. D'accord. En même temps. Ah ouais, sympa. Ils sont partis d'une base XM exclusive. Et donc, ils ont choisi une couleur, le rouge d'enfer, qui n'était pas une couleur référencée côté Citroën. Alors toi, tu dis rouge d'enfer, c'est pas un rouge Lucifer de chez Peugeot, je crois que c'est... Alors effectivement, c'est le rouge Peugeot Lucifer qui s'appelle rouge d'enfer chez Citroën. Une fois qu'ils ont été assemblés sur la ligne... Ils ponctionnaient les voitures normales telles qu'à la série. Ouais. Elles ont toutes été rassemblées dans un bâtiment d'usine de Rennes. D'accord. Et toutes les voitures ont été démontées
pour pouvoir les équiper pour le système multimédia spécifique sur cette version-là. On est en 98 là. Oui, 98. Donc j'ai des collègues qui ont travaillé dessus et ils m'ont bien rapporté effectivement comment ça a été fait. Donc la voiture était toute mise dans un local de l'usine. Ouais. Et côte à côte, il y avait une équipe de deux personnes qui s'occupaient de chaque voiture. Ouais. Et donc il y avait les équipements. Ah oui, tout a été fait effectivement là. Ouais. Donc la voiture a été complètement désassemblée intérieurement pour pouvoir passer tous les faisceaux électriques du système multimédia. Et plus le système de navigation qui avait été rajouté. L'idée, c'était pour la présentation qu'elle se fasse pendant la Coupe du Monde, pour un peu épater la galerie à la Coupe du Monde de foot, non ? Il n'y avait pas une idée comme ça ? Alors le projet, oui, c'était de véhiculer les VIP pour la Coupe du Monde 98. Donc c'était l'objectif. Donc la voiture soit prête pour le mois de juin 98. Bon, il y a Sauf que ça a dû être un peu compliqué. Ouais. Ça a été très compliqué parce que imaginez, c'était la première fois qu'on mettait un PC 486, c'est énorme. Une tour dans une voiture et en plus dans un coffre. Ouais. Alors même si on a une suspension hydraulique qui permet quand même d'assouplir et de filtrer quand même pas mal les. Pour le disque dur, c'est pas. Ah, le disque dur. Il rendait l'âme. C'était. Donc en fait, faut dire que c'est quand même Capgemini qui a effectivement mis au point toute la partie software. Et donc, c'est eux qui ont dû travailler, en fait, sur cette partie-là pour effectivement arriver à faire fonctionner le système. L'idée, c'était d'avoir ordinateur du multimédia, OK, mais avec Internet, connexion Internet. Connexion Internet, oui. Par GSM, c'est fou, quoi. C'était une première à l'époque. Mais c'était une première. Internet, pour une voiture, c'était Windows 98 qui avait. Windows 98, puis il n'y avait pas Internet dans les foyers à cette époque-là encore. Il n'y avait pas encore Internet, effectivement, c'était encore le modem classique avec le Minitel. Les particularités de cette XM, déjà, ça commence par ce petit badge-là. Multimédia, c'est ça qui la différencie, et puis la peinture aussi, le rouge spécifique. Il n'y a aucune autre XM qui avait le droit à avoir cette couleur. Non. Il n'y a que celle-là, c'était pour la différencier. Bon, je pense que les jantes, elles étaient communes à d'autres XM, mais voilà, on a une voiture qui est peinte intégralement, parce que tous les pare-chocs et les baguettes, elles étaient peintes, il n'y avait pas de plastique en fait. Voilà, ça faisait un peu haut de gamme. En fait, elle est quand même sur une base de XM exclusive, avec un moteur V6 ES9, et une boîte automatique 4 HP20, c'est la première génération de boîtes électroniques qui sont sorties sur la XM. Et la XM, elle a eu chance de pouvoir bénéficier de ces évolutions techniques à l'époque, avec une nouvelle génération de moteurs V6. C'était le début du V6. Qui a remplacé le PRV, Donc l'ancien PRV à chaîne. Ouais. Donc là, on a mis un moteur ultra moderne pour l'époque, 194 chevaux, une courroie. Alors, c'est très rare en France d'avoir une XM multimédia équipée. Là, toi Christian, tu as la chance d'avoir le matos. Alors j'ai une partie du matériel. Une partie du matos aujourd'hui, tu n'as pas tout pris. Mais... Oui, mais j'ai une partie du matériel. Mais déjà... Parce que les voitures ont été vendues sans l'équipement multimédia pour des problèmes de garantie. Oui, bien sûr. C'est intéressant quand même de voir. Regardez ça, le clavier qui est adapté à la petite tablette. C'est un clavier effectivement. Tu vois, effectivement la taille sans fil, déjà à l'époque. Ah oui, il marchait sans fil, t'avais un écran. Donc il y avait l'écran qui était situé donc au milieu là. Il y a une prise. Attends, je vais me permettre d'aller m'asseoir si tu peux. Alors tout est sous la banquette. Je vais repasser par l'autre côté peut-être pour montrer de plus près quand même pour les gens qui sont au bout de la caméra. Voilà. Hop. Regardez ça. Oh bah déjà c'est moelleux. Hein, et oui, les Pullman. Et les Pullman là déjà. Et d'ailleurs. La sellerie, vous voyez, c'est il y a de l'alcantara et du cuir. Du coup, l'écran, il venait se clipser par ici, là. Non, ici, là. Ah là. Y a, ici. T'as des... Donc sous la banquette. Ah oui, ici. Sous la banquette, d'accord. Donc là, on a encore les supports. Il y a 4 vis. D'accord. Qui permettent de fixer l'équerre. D'accord. Et en fait, on voit les traces là. Ah ici, oui. Là. Ah oui. On voit les traces sur le siège où en fait le support vient jusque là. D'accord. Il prend ici, donc il prenait tout cet emplacement-là, cette forme-là, ouais. Il était plaqué ici, et il permettait d'avoir l'écran comme ça. Et donc, on pouvait aller surfer sur Internet en étant à l'arrière de la XM multimédia. Tout à fait. C'est quand même très fort. Hein. Pour l'époque, il faut se remettre dans le contexte de la fin des années 90, où il n'y avait même pas Internet dans les maisons. Hein. C'est ça qui est fou. Hein. T'as fais quoi, chérie presse... Je vais au garage, tu vas faire au garage, j'envoie un mail. j'envoie un mail au garage, bah ouais. Voilà, le fameux... Alors ça, c'est exceptionnel. Comme tu le disais tout à l'heure, Citroën et Capgemini avaient travaillé ensemble. Exactement. C'est le manuel du système XM Multimédia. Voilà, qui était remis dans chaque voiture. Ah ouais. Lors de l'utilisation. Donc ça permettait en fait au conducteur et à l'utilisateur de pouvoir effectivement... connaître le fonctionnement, puisque c'était spécifique, Bah oui. Le fonctionnement du multimédia. Donc il était remis aussi
ce papier-là, qui permettait d'avoir, en fait, qui était approprié pour chaque voiture. Parce numéro de châssis. Le numéro de châssis était indiqué pour chaque voiture. Très fort. Et puis après, donc, on a la présentation. Il y avait la télé, tu avais la télé, je vois télévision, tu pouvais capter les chaînes. Voilà. Donc là, incroyable. On présente bien le système. Donc là, ça permet de voir effectivement. Tu pouvais envoyer des fax aussi, je crois. Oui, on pouvait communiquer directement par incroyable. Par Internet. Hein. C'était le but. Voilà. Donc c'est vraiment tout le manuel. C'est toute l'explication. Alors, la télé, comment ça. La télé et tout. Ouais. Voilà. Ah, là, la petite notice, c'est marrant. Sûr. Tu vas nous montrer le moteur, du coup, on va regarder ce fameux V6 ES9. Monsieur, si vous Vous voyez la multimédia, hein, formidable. Alors, le fameux V6, voilà. V6, 24 soupapes, ES9 de son petit nom. Et oui, double Saint-Vérin. Hein, voilà, c'est plus pratique quand on ouvre le capot. Oui, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il était beau ce moteur, un beau bloc. Hein. Alors, les sphères sont pas vertes, c'est bizarre. Oui, parce que en fait, les sphères, dernière fabrication de sphères, elles sont toutes grises. Ah ouais. Pour du LHM qu'il y a dedans. Ah bien sûr. D'accord. Mais c'est pour uniformiser la couleur avec les sphères sous-coupe qui sont sorties sur les voitures suivantes. Donc en fait, voilà, on a gagné effectivement la sphère. Effectivement. Les sphères sont grises. Eh ben écoute. Donc tout est d'origine dessus. Ouais. Bon, il y a juste effectivement les klaxons à trompe qui ont été rajoutés par l'ancien propriétaire. Voilà, mais après tout le reste c'est complètement d'origine. Donc avec un peu d'entretien fait dessus quand même, parce que c'est important. Donc le faisceau est neuf, hein, comme je vous l'ai dit. Donc j'ai fait changer le faisceau, des bougies, des bobines, des bougies, plus des bobines. La distribution est neuve aussi. Ah, une belle courroie. La belle courroie de distrib, voilà. Avec le kit d'accessoires. Le courant d'accessoires aussi, voilà. Donc c'est son moteur d'origine, enfin tout est d'origine sur la voiture. La rondeur du V6, voilà, que je connais bien aussi parce que j'ai une 607 équipée du même moteur. Ah oui, il est beau, il a un beau bruit. Hein. Ouais, il a un beau bruit. Ouais, là, la SM, ça a été le premier véhicule Citroën équipé avec un moteur V6. Ah oui. Oui. Voilà. La descendance, c'est la XM. D'accord. C'est la XM avec un moteur V6. Alors, c'est sa grand-mère, là, quelque part, c'est ça? Exactement. Ouais. Voilà, donc c'est la filiation. Je saute la CX parce que la CX n'a pas eu de... n'a pas eu de 6 cylindres, le moteur c'est V6. C'est vrai, il n'y a pas eu le droit. Eh non, donc c'est vrai. Pour moi, la filiation directe, je suis d'accord. De la SM à la XM. La XM, c'est quoi les années de production de la XM? C'est, C'est à partir de 1989, mai 89. Mai 89. Jusqu'à pratiquement juillet 2000. Elle a une longue carrière, hein, cette voiture. Hein. Oui. Parce que le haut de gamme, c'était difficile à remplacer, d'ailleurs, derrière. En fait, ce qui s'est passé, c'est que normalement, elle devait être remplacée par le projet Linage, qui a donné effectivement vie à la C6. Mais bien plus tard, en 2004. Alors. Oui, mais projet Linage lui a été présenté effectivement bien avant. Il a été présenté en 98, je crois, de mémoire. Ouais. En tout cas, avant la fin de fabrication de la XM. Et à l'époque, il y a eu un changement de président. Hein. On est passé de M. Calvé à M. Fols. Mm. Et donc la XM, en fait, la 605 s'est arrêtée aussi. Ouais. Et c'est la XM qui a un peu fait le palier par rapport à ça. Donc la C6 n'a pas été lancée tout de suite. Ouais. La C5 a essayé de remplacer la XM, tant bien que mal. Hein, ça a été un modèle. Ils utilisaient la C5 était plus apte dimensionnel à remplacer. Ouais. La, mais bon, ils utilisaient les modèles du dessous pour dire c'est un haut de gamme. Regarde cette belle sortie, hein, d'origine. D'origine, oui. Et pas factice. Et pas factice, double sortie, mais double pot, mais c'est de l'inox ou quoi? Alors oui, effectivement, c'est chromé. Il est chromé. C'est juste, alors... Ah bah oui. Ah non, mais c'est juste l'embout, tu vois. C'est juste l'embout, il est chromé. Eh ben voilà. Eh ben dis donc, t'as... En tout il cas, est c'est... Neuf, hein. En dessous, c'est propre. Hein. Ah mais il est neuf. Oh là là, ouais, c'est neuf. Hein. Non, même nickel. Ma voiture, elle est dans un bel état. Ah oui, elle est clinique. Elle n'a jamais été dehors, cette voiture. Ah ouais. Moi non plus, elle n'est pas dehors non plus. Hein. Elle est vraiment à l'abri. Ouais. C'est celle qui, ça sera qui ta... a la meilleure place, en fait. Ça sera ton XM de collection. C'est mon XM de collection. Elle ne sert que l'été, donc elle ne sert que quand il fait beau. Tiens, regarde. Citroën Félix Faure, c'est le concessionnaire. Alors en fait, ça c'est une trace, effectivement, comme quoi elles sont passées par les Félix Faure à la revente. Et donc l'autre détail qui pue aussi. Oui.
prouve. Oui. Alors, les gens ne le savent pas trop. Ouais. Mais ça, c'est la traçabilité des numéros de vente, effectivement, à Félix Faure. Ah, donc ah ça, d'accord. Donc ça, c'est la date, effectivement, quand elles ont été enregistrées à Félix Faure, 23 juin 99. Mmh. D'accord. Mmh. Et donc, avec le numéro de dossier, ici. Ils te le notent comme ça, sur le châssis de l'étude. Ah, oui, elles étaient notées comme ça. Aujourd'hui, tu sais ce que ça cote, une multimédia, même si tu ne vas pas la vendre, mais... Bah, t'as une idée sur la cote? Oui, il y en a. T'en vois des fois Oui, je crois qu'il y en a une en vente actuellement. Là. Ouais. Il me semble qu'elle est aux alentours de 20 000 euros. 20 000 euros. Mmh. Donc ça reste. Alors on peut dire pour une XM. C'est cher. C'est cher. Mais malgré tout, par rapport au modèle. Vu l'exclusivité, ouais. Et puis après, il faut regarder effectivement par rapport à l'état d'origine, bien sûr. Si la voiture est d'origine, si voilà, si elle a bien été entretenue. Le kilométrage, tout ça. Si le véhicule. Voilà, tout le kilométrage. La XM, de toute façon, on va y arriver, hein. Et je pense que cette cote va être dépassée. Ouais. Oui, ça ne va ne faire que monter. Venir, ça va ne faire que monter. Elle ne peut que monter. Ah, ouais. De toute façon, c'est un modèle. Il y en a eu très très peu. Mm. 51 exemplaires. Ouais, ouais, bien sûr. Il n'y en a pas eu 51 de vendus. Hein, il y en a eu moins, comme je vous l'ai dit. Et en plus, sur ce lot-là, malheureusement, il y en a déjà eu qui ont été soit accidentés, soit brûlés. Oui, bah oui, voilà. Donc, vu ce qui reste aujourd'hui, vraiment. Le nombre restant, évidemment. Je vois un ancêtre. Un ancêtre du critère, la vignette critère, la fameuse pastille verte qui n'a servi absolument à rien. Ça n'a servi à rien, mais elle est là. Voilà, elle trône encore. Moi aussi, j'avais, je crois que j'en ai une sur ma 106. Il y a encore la pastille verte. Alors, c'est tel que l'ensemble des multimédias. Oh là là, oui, effectivement. Se trouve. Hein. Donc, il y a une spécificité, c'est le haut-parleur, bien sûr, sur la plage arrière. Il n'y est pas dans toute... C'est sur les multimédias. Uniquement. Ah oui. C'est pour le son de la télé et tout ça. C'est pour le son, effectivement, du système. Ouais. Et donc après, vous avez... Il reste le GPS. Mmh. Donc ça, c'est le lecteur CD pour le GPS. D'accord. Qui a été vissé là, comme ça. Ouais. Alors, qui a été fixé comme ça, effectivement, ouais. Sur le plancher. Ouais. Et après, vous avez encore ici, évidemment, tous les faisceaux. Ah oui, tout le faisceau qui a été rajouté. Vous avez le faisceau de l'antenne. Ouais. Et les autres faisceaux sont cachés derrière. Donc les faisceaux sont existants. D'accord. Et ils n'ont jamais été retirés. Ouais, ouais, ouais. Tout est resté. Ils ont déconnecté rapidement. Et puis, mais toi, elle est équipée. Alors, est-ce que tu as fait de l'Internet? Tu as déjà réussi à faire de l'Internet avec ta XM Multimédia ou la télé? Tu as regardé la télé? Ça marche? C'est non, opérant. Mais bon, je n'ai pas pu la rééquiper effectivement avec le PC. D'accord. Parce que je n'ai pas retrouvé le PC. Ouais. Mais le challenge, c'était... Parce que la tourelle, elle était où? Elle était ici. À la vache. Ouais. Donc, elle prenait effectivement l'emplacement ici. Ah ouais. Et il y avait ici, donc, il y avait le lecteur GPS qui était dessus. La tourelle, avec ses connectiques, hein. Avec ses connectiques. C'était comme ça. Le lecteur CD qu'on voit ici. Ouais. Et donc voilà, donc la tourelle, lecteur CD dessus. D'accord. Ça c'est avec le capot. Ça c'est le système encapsulé. Exactement. Ah, c'est pas mal, hein. Il y avait une belle finition, tiens d'ailleurs. Oui, oui. Ah ouais, pas mal. C'était également la couleur beige. Très bien. Et les petits affichages là, donc l'heure, la température qui est là à droite. Voilà. Et on a aussi. Donc l'autonomie. On a la consommation instantanée, la consommation moyenne, 9,5 litres. C'est honnête, V6, pour c'est le V6. Hein. C'est tout à fait honnête pour ouais, un V6. Ouais, je suis d'accord. Et puis donc ici, la vitesse, 52 km/h, donc, ouais. On ne roulait pas tellement vite, hein, c'était pas sur l'autoroute. Et les repères. Ouais. Et à gauche, là-bas, c'est plutôt des alertes. Quand ça s'allume, c'est pas bon signe, là, c'est ça? Alors, c'est pas bon signe, ou alors c'est la radio. Ah oui, d'accord. Ou alors c'est la radio, comme je disais, c'est l'afficheur, effectivement, de ses fonctions pour la radio. Ouais, c'était noble, c'était du vrai bois, c'est pas du... Oui. Hein, c'est du vrai bois, donc voilà, intérieur bois. Ça moussait pas mal sur les intérieurs, c'est assez, assez qualitatif. Hein, Oui, en finition, ça, comme je disais tout à l'heure, ça s'est bien, comment dire... Ça s'est affiné avec le temps. Ça s'est affiné, surtout sur la série 2. On faisait, pour dire, hein, pour arriver effectivement à une finition et une tenue dans le temps et en température, il a été mis au point des essais en chambre, où on mettait pratiquement 130 degrés sur la planche de bord, donc avec un capteur ici. Et on avait créé une salle sur les îles, donc à moins une thèse qui existe toujours d'ailleurs, et c'était de l'ensoleillement assez fort qui permettait de simuler 130 degrés sur un planche de bord. La couleur électrique, ce qui est quand même pas mal. Ça c'est bien, hein, d'abord. Ah, ouais, ça c'est bien. Franchement, la couleur électrique. Sur la finition exclusive. Ouais. Donc c'est quand même t'as bien. T'as pas ça toujours sur les voitures aujourd'hui, hein. C'est plutôt manuel. Et on a un pommeau bois
qui est spécifique sur la version donc, multimédia et qui évite effectivement d'avoir les désagréments du plastique qui lui par contre ne tient pas en température. Ah oui. C'est le gros défaut du pommeau de levée de vitesse sur les boîtes auto hors bois. Avec matière plastique, ça ne tient pas. Non, ouais. Donc là par contre, effectivement le vernis part avec, ouais, avec la main. Mais le bois lui reste. Ça restera. Ah oui. Il faut le retenter et puis c'est reparti. Eh ben super, question, allons faire ce petit tour sur la route, allons profiter du bruit du V6. À ce genre de voiture, t'es passionné de voiture quand même. On peut le dire ou pas? On peut le dire. Hein, je veux dire. T'as un certain nombre de voitures et notamment de la marque Citroën. Bon. Oui, passionné Citroën dans le sens où je travaille chez Citroën depuis 1990. Ah ouais. Pratiquement au lancement de la XM. Ouais. Donc ça m'a permis aussi de travailler sur la XM qui venait de sortir et pouvoir l'améliorer dans le temps. Jusqu'en arriver effectivement à ces versions qui étaient bien abouties. Ouais. Voilà, et donc je collectionne effectivement un certain nombre de Citroën anciennes. Ouais. Voilà. Et cette passion pour l'automobile, elle t'a prise à quel moment finalement? C'est depuis tout jeune ou... C'est arrivé relativement très tôt, parce que mes parents avaient acheté une ID19 série D. Ouais. De 1968, c'est et ça j'ai qui usé t'a donné mes fonds de culotte sur l'assise arrière de cette voiture que j'ai toujours. C'est toi qui l'as? Oui, oui, j'ai toujours cette voiture. Ah, c'est bien ça, c'est une voiture de cœur alors finalement. C'est une voiture de famille de cœur qui est en parfait état de fonctionnement. D'accord. Qui se repose dans le sud de la France pour l'instant. D'accord. Et que j'utilise assez couramment. Il y a un truc qui serait intéressant pour nos amis qui sont au bout de la caméra, qui se prennent d'affection pour la XM et qui auraient envie d'en acheter une ou de commencer à regarder. Qu'est-ce qu'il faut surveiller quand on achète une XM en priorité? Si tu as un conseil à donner pour un acheteur de XM, qu'est-ce qu'il faut regarder? Ben, je dirais que la première chose assez importante, si possible d'avoir une voiture qui a été entretenue dans le réseau, qui sont en première main. Ouais. Donc ça compte aussi. Alors ça a commencé à être dur parce que pratiquement la XM s'est arrêtée en 2000. Ça fait quand même 23 ans. Pour arriver à trouver des XM en première main, maintenant il faut que les gens les aient gardés effectivement un certain temps. C'est sûr que ça devient compliqué. Ça commence à devenir compliqué. Ouais, c'est sûr. La XM demande quand même un entretien régulier. Surtout quand on a une boîte auto, il faut la vidanger quand même malgré tout assez régulièrement. Si on veut avoir une durée de vie assez importante. Bon, et puis après, il y a d'autres entretiens à faire, bien sûr, par rapport au MEDEN. Mais voilà, première chose d'avoir, si possible, une voiture très bien entretenue, en première main. Faut faire attention à la corrosion. Donc ça, c'est un des points... Ça peut toucher la XM. Alors, c'est pas connu. Ouais. C'est pas connu, mais quand on regarde de plus près, ça touche malgré tout la XM. D'accord. Malgré le fait que la XM ait eu des traitements... anti-corrosion par des bains cataphores donc relativement assez poussés. Hein, il y a eu quand même, c'était une époque dans les années 90 où on avait mis au point quand même une anti-protection, une anti-corrosion quand même assez poussée avec des épaisseurs de tôle assez conséquentes. Malgré tout, on arrive à trouver effectivement certains modèles, alors pas dans les premières mais plutôt dans les séries 2. Ça touche à quel niveau, ouais. Alors c'est au niveau des bas de caisse, d'accord. Surtout au niveau des passages de roues avant et passages de roues arrière. D'accord. On a une accumulation de terre et de boue qui arrive effectivement à se loger derrière les plastiques, ouais. Derrière les pare-boues. Ouais. Et cette accumulation effectivement fait qu'au bout d'un moment ça arrive à corroder. Qu'est-ce que tu vas faire à l'avenir là? T'as encore prévu d'acheter d'autres Citroën, de collectionner d'autres Citroën ou... c'est bon pour toi? Non, c'est bon pour moi. C'est bon pour toi, t'as plus de place. J'ai plus de place. T'as plus de place. J'ai plus de place. j'ai relativement assez de voitures, donc j'ai plus de place actuellement. Donc j'ai deux tractions, j'ai une 2 chevaux, j'ai 4 ou 5 XM, donc j'ai la SM. Non, mais j'en oublie. Un beau collectionneur. J'ai une Jeep aussi. Ah oui.
américaine aussi. Ah oui. Ça c'est voilà. Ça, c'est un peu l'aparté, mais ouais. J'aime bien aussi, voilà. Ouais, ouais. Entre autres. Ouais, pour aller se balader, c'est pas mal. Pour aller se balader, effectivement, cabriolet. Ouais. La Jeep américaine. Ouais, est pas mal. C'est top ça. Et voilà, chose qu'on voit pas tous les jours, hein. La SM et la 19. Et nous, on a le V6. On va mettre le V6. En mode sport. En mode sport. Ben voilà. Voilà. Et ça reprend. Hein. Mais ce moteur, il est assez formidable. Alors tout ça en entendant le bruit du V6, il est feutré, mais il a son petit bruit quand même. Moi que j'apprécie beaucoup parce que, vous le savez, pour ceux qui me suivent, moi j'ai une 607. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de la filmer, c'était avant que je crée Célib, mais moi ce V6 m'a beaucoup envoûté aussi. En vitesse de pointe, c'est 235 et quelques. Oui, 235. 135 km/h, le 0 à 100 il devait être fait en 7 secondes, un truc comme ça. Bah, j'ai pu le donner en tête, mais en tout cas, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah, c'est assez lourd au démarrage, c'est ouais. Vrai, mais une fois qu'elle est lancée. Parce qu'elle pèse son poids avec. Elle fait quand même une tonne 6. Hein, ouais. Avec, il y a le moteur, plus avec les sphères, la moto. C'est ça qui fait aussi une tonne 6. Mais bon, une fois que c'est lancé sur la route, c'est vrai que ça commence à bouger. Ouais, c'est sûr. Ça va être court, hein, mais intense. C'est juste histoire de ressentir, de conserver ça en mémoire, parce que beaucoup de propriétaires me laissent le volant de leur voiture, même si c'est pas long. J'aurais conduit une XM multimédia, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, hein, Christian? Ah oui, tout à fait. C'est, on voit pas vu le nombre d'exemplaires. Ah bah oui. Restant, c'est sûr que. Ce privilège, messieurs, dames, ce privilège. Je suis très privilégié, en fait, à travers Essai Libre. Hein. Voilà. Une petite vidéo tous les dimanches matins avec son bol de café. Et tu vois, c'est une voiture qui appelle à conduire de façon tranquille. Ah oui, tout à fait. Quand t'as besoin, elle est là. Mais c'est toute cette rondeur. Moi, j'aime ce moteur chantilly, un peu, j'appelle ça de la chantilly. Tu vois, c'est onctueux. La onctuosité. C'est génial. J'adore. Que dire sur ces voitures haut de gamme françaises, si ce n'est, putain, qu'est-ce qu'elle tient bien sa ligne. 30 ans. Tient bien sa ligne, ça fait pas de bruit. C'était quand même quelque chose. Moi, je resterai toujours nostalgique de ces voitures. Et je comprends ta passion et le fait que tu roules au quotidien avec ce type de voiture. Et puis c'est bien d'avoir une grande voiture aussi. Allez, j'accélère un tout petit peu pour entendre le V6. Belle surface vitrée, et la voiture est lumineuse, tu vois. Ça, aujourd'hui, sur les voitures modernes, on a une ceinture de caisse qui est un peu plus haute et moins de vitres. Tout à fait. On respire moins. On respire moins là. On se sent effectivement libre. C'était moi, Christian, un monospace avant. Mais oui, je suis d'accord. Moi, avant Christian, je t'emmène à Nice là en XM. Hein, tu fais un Paris-Nice. Mais là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et ces petits compteurs sympatoches avec. On avait encore les compteurs à rouleau à l'époque, les aiguilles. On peut être nostalgique des aiguilles. Hein. Aujourd'hui, on a des tablettes, hein, tu le sais, Christian. Donc là, on a la température d'huile en plus. Et oui. Et oui. Voilà, c'est normal, hein, on a un V6. Bah voilà, Brice, du coup, va partir avec la voiture. Là, il est en train de. Il négocie. Ça va bien se passer. Bon, on démarre avec. Avec Aymeric. Hein. Alors, Aymeric. Oui. Ah, très heureux de te revoir là, avec, en compagnie de cette belle auto, la 19 Baccara. Alors, pourquoi tu as acheté une 19 Baccara? Alors, plusieurs raisons. Déjà, c'était un modèle Renault que j'aimais bien. Moi, la 19, c'est vrai que je me suis intéressé à la 16S. La cabriolet était particulièrement bien. La 16S, c'était sympa aussi. Ouais. La cabriolet était très réussie aussi. German. Et puis, il y avait un petit côté sentimental, en fait, sur la 19. J'y ai passé toutes mes leçons de conduite. Ah bah. Et j'y ai passé mon permis. Ah bah ça.